Oui, donc Sylvie, je rappelle quand même que vous avez créé donc le centre Noésis à Genève il y a quelques années, qui s'appelle aujourd'hui l'Institut Suisse des Sciences Noétiques. À la base, c'est une structure d'accueil hein, pour des gens qui ont vécu des états modifiés de conscience, des expériences un peu difficiles à intégrer. Et vous avez également donc conduit des recherches, et en particulier donc avec Nicolas, aux côtés de Claude-Charles Fourier, qui est psychothérapeute, et vous-même, vous êtes docteur en biologie à l'origine. Alors, on est là pour parler de ça, parce qu'effectivement, ça a été l'objet d'un ouvrage qui s'appelle « Voyage aux confins de la conscience », qui est un livre tout à fait passionnant, qui est sorti donc il y a quelques mois, et pour lequel vous avez été un peu médiatisé. Et donc, vous racontez dans ce livre 10 ans d'expérience avec Nicolas autour de plusieurs phénomènes. Alors, le phénomène de sortie du corps, qui est un peu le cœur de l'investigation, mais aussi d'autres phénomènes un peu connexes, la vision à distance, la télépathie, la clairvoyance, ce genre de choses, parce que Nicolas, c'est un phénomène polymorphe, on va dire. Alors, justement, Nicolas, j'aimerais commencer avec vous. Sylvie, vous pardonnerez. Parce que je voudrais savoir comment vous avez vécu en fait justement cette exposition médiatique, parce qu'au moment où le livre est sorti, vous avez fait des médias, on vous a vu au JT, on vous a vu dans des émissions à grande audience. Comment est-ce que vous avez vécu cette exposition à la fois donc, et le fait qu'on vous présente aussi dans le livre comme un cas quand même particulier, et comment est-ce que vous avez ressenti le fait d'être perçu comme un phénomène et peut-être même une bête curieuse, si je puis me permettre? Est-ce que ça a été valorisant ou plutôt pénible et effrayant? Alors effectivement, d'être vu un peu comme une bête de foire, une bête curieuse, le cas Nicolas Fraisse, hein, c'est, bon, il n'y a plus le titre, mais c'est le titre du bouquin, c'est très particulier dans le sens où tantôt on m'a pris pour un fou, pour un doux rêveur, en se disant, bon, ben, celui-là, il essaie de se montrer, voilà. Et d'autres fois, plutôt comme... un prophète ou un dieu ou autre chose, on me mettait sur un piédestal. Voilà, c'était ces deux extrêmes. Soit on me prenait pas au sérieux, soit justement on me prenait vraiment trop au sérieux. Après, c'est vrai que cette médiatisation a fait que j'ai été envahi de messages et d'autres sollicitations, ce qui est normal, hein, parce que forcément, il y a un intérêt grandissant pour ces choses-là, et puis ça peut intéresser beaucoup de personnes. Mais vous avez le sentiment d'être exceptionnel, ou simplement de vous être trouvé là au bon moment, ou peut-être pas au bon moment d'ailleurs, mais en tout cas de vous être trouvé là au moment où des chercheurs cherchaient un sujet, quelqu'un qui avait des capacités. Est-ce que vous savez, j'imagine que d'autres personnes ont les mêmes types de facultés, peut-être pas avec la même performance, capacité de performance que vous? Alors. Oui, je pense que c'était surtout un concours de circonstances qui a fait que j'étais là justement à ce bon moment. Puis aussi, à mon avis, une association de complicité entre nous, une complicité qui a permis de faire prendre la mayonnaise, si je puis dire. Alors un peu plus près le micro, ouais. Vous avez continué à vivre des expériences personnelles depuis cette investigation, hein. Est-ce que vos capacités ont continué à évoluer d'une manière ou d'une autre? Alors oui, depuis qu'on a commencé cette exploration ensemble, mes capacités ont continué d'augmenter, de se diversifier. Je continue d'explorer ce monde de la conscience et ce monde de ces capacités qui, pour moi, c'est quelque chose qui est commun, c'est pour tout le monde. Tout le monde peut vivre ce genre d'état. J'ai simplement une facilité à les vivre et à m'en souvenir. Et oui, depuis que je travaille avec Sylvie et Claude-Charles, ça n'a fait qu'augmenter. C'est un peu comme un sportif à travailler ce muscle, entre guillemets, qui est cette conscience ou cette prise de conscience. On avance toujours plus loin et on se dépasse. On se dépasse soi-même, mais aussi on se dépasse ensemble, et ça c'est merveilleux. D'accord. Alors Sylvie, oui, on va peut-être faire un petit retour en arrière pour raconter un peu la jeunesse de ces travaux. Mais vous aussi, cette exposition, le succès du livre aussi, comment est-ce que vous l'avez vécu? Ça a été plutôt un bien pour la recherche, ou est-ce qu'il y a aussi des côtés négatifs finalement? Alors, comme dans toute chose, il y a du positif et du négatif. Comme Nicolas, on a été un peu surpris par, on a reçu énormément de courriers. Beaucoup de choses très positives, beaucoup d'encouragement, de soutien, même de la part de chercheurs.
On a vu aussi que ce livre avait aidé à délier un peu la parole autour des OBE. Donc beaucoup de gens qui s'étaient sentis moins seuls et qui osaient en parler parce que maintenant ils avaient ce livre en référence. Ils pouvaient dire, ben voilà, je peux parler de ce que je vis et des scientifiques s'y intéressent, donc je ne passe pas pour un fou auprès de mes proches. Donc ça, c'était le côté positif. Mais forcément, quand on s'expose comme ça, on s'expose aussi aux critiques et on a été aussi très attaqués sur Internet, sur les réseaux sociaux, notamment par des groupements que je qualifierais de sceptiques, même si ce n'est pas le bon terme, parce que c'est des gens qui ne sont pas justement dans le scepticisme, mais vraiment très opposés à notre travail et qui ont attaqué notre étude sans même prendre la peine de lire le livre. Et donc, d'ailleurs, ça donnait des lieux à des choses assez cocasses parce qu'ils mélangeaient un petit peu tout. Ils entendaient des choses par-ci, par-là. Et donc ça, c'était le côté plutôt désagréable, mais donc c'est pas très grave. Mais je crois que de toute façon, la recherche, la médiatisation, c'est jamais une bonne chose pour la recherche. Nous, si on l'a fait, c'est parce qu'on n'avait pas vraiment le choix. On était arrivé à un moment de notre recherche où on avait des résultats, mais on n'avait plus de financement. On ne pouvait pas continuer. On aurait fallu reproduire encore ces résultats. Et puis, on était aussi arrivé un petit peu au bout de ce qu'on pouvait faire seul, c'est-à-dire qu'on avait besoin de collaboration. Donc, on s'est dit, ben, soit on s'arrête et puis tout ce travail est perdu, va tomber aux oubliettes, soit on essaye de jeter un pavé dans la mare. On écrit ce livre et on espère, d'une part, retrouver des mécènes. Alors, pour l'instant, ben, ça n'a pas été le cas. On espère que ça va venir une fois. On repasse l'appel. On a toujours besoin de soutien financier. Donc, on a été soutenu pendant 10 ans par la Fondation Odier de psychophysique à Genève, donc c'est des fonds privés, hein, faut pas espérer de la part des fonds publics de financer ce genre de recherche. Et puis, on espérait des collaborations, et là, je dirais qu'on a, alors comme je l'ai dit, on a eu beaucoup de chercheurs qui nous ont contactés, mais plutôt des chercheurs isolés, qui n'ont pas forcément les coudées franches pour faire ce qu'ils veulent dans leur laboratoire. Et puis, certaines, quand même 3 ou 4 groupes qui nous ont contactés pour des collaborations, certains qu'on a mis de côté, parce que justement, ça émanait de ces groupements sceptiques et on ne voyait pas trop l'intérêt de travailler avec des gens qui n'ont qu'une idée, c'est de pouvoir casser ce travail. Et puis finalement, on a retenu des propositions en Suisse. Actuellement, il y a une collaboration qui est en train de voir le jour. Je ne peux pas encore trop en parler parce que les autorisations ne sont pas totalement délivrées, mais quelque chose qui est en train de se mettre en place pour pouvoir continuer ce travail dans un cadre officiel et avec des observateurs externes qui vont pouvoir valider ce travail. D'accord. Et donc avec des structures, enfin des intervenants suisses. Voilà, ce qui est plus pratique, parce qu'on a été aussi contactés d'autres pays en Europe, même d'Afrique du Sud. Il y a des gens qui nous ont contactés en disant, mais venez faire vos travaux ici. En Suisse, ça va être quand même plus pratique. Ça veut dire que les milieux académiques universitaires français n'ont pas réagi, ne vous ont pas sollicité? Les milieux académiques, en général, n'ont quasiment pas réagi. Je veux dire, même en Suisse, je veux dire à Genève, personne n'a réagi. Même les médias en Suisse n'ont pas réagi. On a été plus médiatisés en France qu'en Suisse, ce qui est quand même assez étonnant. Les médias suisses nous ont presque boudés, alors que, par exemple, le premier livre, ils l'avaient vraiment bien accueilli. Mais là, voilà, il y a des groupes en Suisse qui travaillent sur les sorties hors du corps, et je pense que ça ne faisait pas forcément plaisir à tout le monde, puisqu'on soutient un modèle qui est quand même assez différent du modèle en place. D'accord. Alors, Claude Charles, je vous donne la parole. Donc, votre rôle a été celui d'un co-investigateur, mais aussi d'un accompagnateur psychologique pour Nicolas, et parce que vous êtes aussi un expérienceur vous-même. Hein, vous avez vécu des états modifiés de conscience. Tout à fait, oui. Est-ce que vous avez aussi coaché Nicolas pour parler dans les médias, prendre la parole en conférence, oui, notamment, oui. Non, mais on le laisse assez libre. Ouais. Et on peut quand même constater que la taille de son bonnet n'a pas augmenté à cause de la médiatisation. C'est le principal. Comment est-ce que vous... Quel regard vous jetez aussi, vous, sur cette période d'exposition de... Ça a été assez percutant, hein, puisqu'on a pu observer que beaucoup de personnes étaient intéressées par le sujet parce qu'ils vivaient eux-mêmes des phénomènes de ce genre. Mais je reviens un petit peu plus sur le travail qu'on a pu faire avec Nicolas. C'est sûr que Nicolas, lui, c'est quelqu'un qui vit ça depuis l'enfance. Donc pour lui, c'est quelque chose de naturel. Il n'avait pas vraiment besoin d'un accompagnement pour l'aider à vivre ça. C'était plutôt qu'une curiosité pour lui de comprendre ce qui se passait en lui. Donc, ce qui était bien, c'est qu'il était à l'écoute vraiment. Et de ce fait, on a pu aller assez loin dans le développement de son potentiel. Alors, c'est sûr qu'il y a eu des moments pas faciles pour lui, où il a pu même s'angoisser à travers
des capacités, de la découverte de ses capacités. Bon, on l'a aidé, on l'a accompagné. Et puis, de ce fait, après, d'autres capacités assez étonnantes se sont révélées. Et on en a pu, en faire d'autres tests. D'accord. Alors, justement, oui, je voudrais quand même qu'on me dise, pour peut-être certaines personnes ne savent pas ce qu'il y a dans ce livre, ce que vous avez fait avec Nicolas. Est-ce que, Sylvie, vous pouvez nous raconter un petit peu quand même le protocole que vous avez mis en place pour les expériences sur la sortie du corps et ce que vous avez obtenu comme résultat, finalement? Oui, alors je vais essayer de synthétiser le plus possible. Le protocole se passait de la manière suivante. On se tenait dans une première pièce avec Nicolas qui était allongé sur un petit matelas. Dans cette première pièce, il y avait un ordinateur qui était connecté à un second ordinateur qui se trouvait dans la pièce contiguë. Dans le deuxième ordinateur, il y avait une base de données d'images qui était constituée à l'époque de 10 séries de 20 images. Donc on avait 200 images à disposition. Et dans ce deuxième ordinateur, depuis le premier ordinateur, on pouvait lancer un programme sur le deuxième qui allait choisir de manière aléatoire une image dans la base de données et la projeter contre un écran. Et cette deuxième pièce était fermée à clé, les stores étaient baissés, de manière à ce que personne ne connaisse l'image cible au cours de l'expérimentation. Donc quand Nicolas était prêt, on lançait la procédure. Nicolas essayait de sortir de son corps, d'aller dans la pièce d'à côté, de voir l'image. Ensuite, il revenait. Et dès qu'il revenait à lui, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on lui demandait ce qu'il avait vu, ce qui s'était passé dans un premier temps. Et ensuite, dans les fois où il a vu quelque chose, à ce moment-là, on rappuyait sur le premier ordinateur qui lui présentait les 20 images de la série correspondante, parmi lesquelles se trouvait l'image cible, et il devait l'identifier formellement. Donc on avait conçu le protocole de cette manière-là, parce que déjà, ça remplit les critères de double aveugle, qui sont très importants en science, qui sont un peu des précautions de base qu'on prend, qui permet en fait de s'assurer que l'expérimentateur ne va pas influencer le candidat au moment où il va faire son choix, souvent de manière inconsciente, hein, simplement par, ça peut être une gestuelle, ça peut être des mimiques, c'est tout ce qu'on appelle la communication non-verbale qui pourrait influencer le candidat. Donc de cette manière-là, nous, on n'était pas au courant. Et puis, avec des candidats comme Nicolas aussi, on pouvait prévoir que peut-être qu'il y aurait des phénomènes télépathiques. À l'époque, on ne le savait pas, mais il s'est avéré qu'avec Nicolas, c'était une des capacités qu'il a développées avec le temps. Donc, ce n'était vraiment pas une précaution superflue. Ensuite, on avait conçu ça aussi de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on voulait éviter tout biais d'interprétation, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas simplement qu'il nous fasse une description de l'image où nous, on devrait interpréter si c'était suffisamment probant ou non. On voulait des réponses binaires, c'était juste ou faux. Il devait identifier l'image, elle était juste ou fausse. Et ça nous permettait aussi, dans un troisième temps, de faire un calcul de probabilité pour estimer si le nombre de résultats justes par rapport aux résultats faux pouvait être attribué au hasard ou si on était au-delà du hasard. Et ce qui s'est passé, donc tout ça, ça a pris du temps, la mise en place du protocole, le matériel, la préparation de Nicolas, ça a pris pas mal de temps. Et à partir du moment où tout a été prêt, on a fait 40 tests. Et sur ces 40 tests, Nicolas est revenu 33 fois en disant « Je ne peux pas faire mon choix parce que je n'ai pas vu d'image. » Donc on ne peut pas tenir compte de ces résultats-là. Par contre, les 7 autres fois, il est revenu en disant « J'ai vu quelque chose ». À ce moment-là, l'ordinateur lui a présenté les images et les 7 fois, il a identifié correctement l'image. Donc c'est sûr que cette fois, c'est pas énorme, on aurait voulu pouvoir continuer, en avoir beaucoup plus, mais pour nous, c'est vraiment déjà un résultat fort, parce que c'est du 100%. À chaque fois qu'il a vu l'image, il l'a identifié chaque correctement. Chaque fois qu'il était sûr d'avoir vu l'image, il l'a identifié correctement, voilà. dans 100% des cas, effectivement, ce qui correspondait à 7 cas en tout. Ouais. Oui, Claude-Charles, commentaire. Ce qui ne voulait pas dire que les autres fois, il n'était pas sorti de corps. Il va nous dire ce qu'il faisait les autres fois. Nicolas, qu'est-ce qui se passait les autres fois? En fait, vous partiez, vous étiez attiré par des choses qui suscitaient votre curiosité, quoi. C'est ça. En fait, c'est la grosse difficulté des tests. C'est je ne peux pas maîtriser entièrement l'endroit dans lequel je veux projeter mon regard ou ma conscience. Il faut toujours qu'il y ait une motivation, mais une motivation profonde d'ordre émotionnel ou une très très grande curiosité. Pas simplement la curiosité d'aller voir une image qui est projetée dans la pièce d'à côté, ça ne me suffit pas. Il faut un autre type de motivation. Donc c'est vrai que les 33 autres fois, soit je ne suis pas sorti parce que je n'arrivais pas à reproduire les conditions qui me permettaient de sortir, à savoir l'ennui, ou alors parce que je m'endormais avant
de vraiment m'ennuyer. Et donc, soit je ne faisais pas de sortie, soit je faisais une sortie, mais attiré soit par quelque chose d'émotionnel, parce que je pensais à mon appartement sur Lyon, ou alors à mes parents, ou à quelque chose d'autre. Je m'en allais très rapidement loin de cette pièce d'expérimentation. Ou alors, il y avait un bruit à l'extérieur qui attirait plus mon attention. Par exemple, une ambulance qui passait, et intuitivement, je suivais cette ambulance plutôt que d'aller voir ce qui se passait. Il aimait beaucoup les ambulances, Nicolas. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a des fois où vous avez été attiré par des choses comme ça, qui ont pu être confirmées, en fait, que vous avez pu confirmer, mais qui n'étaient pas dans le cadre du protocole, finalement. Exactement. Mais il a vu des choses que vous avez pu effectivement confirmer en bas de la rue, quoi. Voilà, plein de fois, on est sorti dans la rue pour voir qu'il avait décrit les personnes qui se trouvaient sur la place ou qui étaient dans les escaliers en train de monter. On a eu plein d'anecdotes comme ça, mais qui ne sont pas valables, voilà, scientifiquement. Seulement des anecdotes. Alors, je voudrais continuer quand même avec Nicolas, parce que ça montre quand même la difficulté de maîtriser cet état, et puis aussi ça montre qu'on se fait peut-être une idée un peu naïve du phénomène. En fait, on voudrait que la sortie du corps, ça soit simple, il suffit d'aller ailleurs, voir et revenir, alors qu'en fait c'est un état dans lequel on n'a pas toute sa volonté, finalement. Vous êtes dans un état différent, quoi. C'est ça. Dans la façon dont moi je fais la sortie de corps, hein, parce que je ne peux parler que de mon expérience, je n'ai pas toutes les capacités de réflexion que j'ai là actuellement dans mon corps. Je ne peux pas penser comme je pense actuellement dans mon corps. L'émotionnel n'est pas vraiment présent, c'est-à-dire qu'on est plus dans un... Enfin, moi, je suis plus dans un état de type contemplatif qu'autre chose. Et pendant longtemps, dès que je me mettais à essayer de penser dans cet état, le phénomène s'arrêtait et je revenais directement à la case départ, enfin à cette case-ci. Donc c'est pour ça que c'est délicat. Puis dans cet état-là, comme je le disais, je n'ai pas la possibilité vraiment de m'orienter. Donc si par exemple je me projette dans la pièce qui se trouve à côté de la pièce test, ça m'est très difficile sur le moment de réorienter mon regard, entre guillemets, ma conscience, sur la pièce test. Parce que dans cet état-là, je n'ai pas d'envie, ou très peu d'envie, et surtout, en fait, je me fiche complètement du test qui est en cours, parce que le test est c'est une motivation qui est de l'ordre de la réflexion, et qui n'a pas cours dans ce contexte-là de la sortie de corps. Il faut peut-être juste préciser, c'est que Nicolas a une façon de vivre les OBE qui lui est particulière. Il y a mille et une façons de vivre ces phénomènes, et certaines personnes arrivent quand même plus ou moins à se diriger. Lui, c'est vrai qu'une fois qu'il est à un endroit, c'est plus difficile, après, comme il le dit, de réorienter. Donc il fallait que la première intention soit la bonne. Mais c'est un petit peu au-delà de la volonté, justement. On peut même préciser que lui-même a plusieurs façons de sortir de son corps, de vivre la sortie de corps. Donc on est en face d'un phénomène extrêmement polymorphe, hein. Dans l'Assemblée, il doit y avoir pas mal de personnes qui peuvent vivre ce phénomène, et peut-être si on les interrogeait, on s'apercevrait que chacune vit le phénomène à sa façon. Oui, parce que comme vous faites un distinguo entre sortie du corps, voyage astral, ce qu'on appelle le rêve lucide, après vous vivez aussi de la vision à distance. Comment est-ce que vous distinguez tout ça dans votre vécu? Disons que comment on va dire, la densité de conscience, si je puis dire, n'est pas la même dans chaque phénomène. C'est-à-dire que pour moi, lorsque je rêve, par exemple, j'ai une conscience où j'aurai l'impression d'avoir un corps, ou tout du moins un point de vue particulier. Voilà. Tandis que dans une sortie hors du corps, comme on les nomme, dans ce genre de phénomène, j'ai plutôt l'impression d'être la scène et tout ce qui la compose, tout ce qui est visible qui la compose, mais tout ce qui est aussi invisible, sans avoir une idée d'être quelque chose de particulier qui est en sortie de corps. Donc c'est un peu particulier. Vous n'avez pas un point de vue, vous êtes toute la scène, quoi. C'est ça. En fait, sur le moment, j'ai l'impression d'être toute la scène, tout ce qui compose la scène. C'est seulement après, lorsque j'essaie de me souvenir de ce que je viens de vivre, où là, mon cerveau, je suppose, ou ma réflexion
transforme ça en une espèce de point de vue et va focaliser à un endroit particulier. Et c'est là où je vais avoir l'impression de voir à 360 degrés ou quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment a posteriori. Et ça, c'est ma façon de vivre la chose. Une espèce de reconstitution, quoi. C'est ça. C'est ça. Nous, quand on l'observe, on voit tout de suite que, s'il est en sortie de corps ou en vision à distance. Parce qu'en sortie de corps, c'est vraiment un corps vide qui est en face de nous. Tandis que quand il est en vision à distance, on lui parle et il est toujours présent. Et la différence est facile à observer. Oui, la vision à distance, pour parler de ça, ma sensation, c'est, je n'ai pas l'impression d'aller vers la scène, mais j'ai l'impression que c'est la scène qui vient à moi et qui superpose au champ visuel actuel. Et à partir du moment où ça commence à se superposer, la scène actuelle s'estompe et la scène dans laquelle je projette mon regard s'affiche et se dévoile tranquillement. Oui, on vous a vu faire ça à la télévision suisse, justement. Vous vous êtes rendu par la pensée dans une boulangerie et vous avez vu des choses que vous ne pouviez pas avoir inventées. Donc c'était tout à fait stupéfiant. Sylvie, qu'est-ce que vous considérez avoir appris quand même avec ces expériences, avec Nicolas, sur ce phénomène-là et pourquoi, deuxième question, pourquoi est-ce que vous n'avez pas pu publier dans une revue scientifique comme certains, finalement, l'auraient souhaité? On a appris différentes choses. Déjà, comme je l'ai dit avant, c'est que ces phénomènes de la conscience sont extrêmement polymorphes, comme l'a dit Claude Charles. Donc c'est très très compliqué même de savoir à quoi on a affaire, et on a l'impression que même dans les sorties du corps, il y a toute une gamme de phénomènes. Donc c'est des fois difficile de savoir de quoi on parle. Avec notre propre étude, ce qu'on a mis en évidence, c'est que la conscience est capable de faire des choses qui ne sont pas explicables avec le modèle en place, le dogme des neurosciences qui postule que la conscience est uniquement une sécrétion cérébrale. Mais je dirais que, alors déjà, cette première étape qui devrait être reproduite, les critères de la science actuellement sont toujours la reproductibilité, donc c'est quelque chose qui devrait être encore reproduit. Mais on n'a pas montré qu'il y avait des localisations. Ça, faut être honnête. De manière objective, nous, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il est capable de voir ce qui se passe dans la pièce d'à côté. On peut pas faire. On a pu éliminer la télépathie, mais on ne peut pas éliminer que ce serait un phénomène d'ordre clairvoyance. Qu'est-ce qu'il faudrait pour ça? Des machines qui soient sensibles à l'entité âme? C'est-à-dire que c'est impossible, ça n'existe pas. Alors c'est ça, pour l'instant, on ne sait pas exactement ce qu'on doit mesurer. La conscience est quelque chose pour lequel on n'a pas les moyens de mettre en évidence. On a des pistes, parce que c'est vrai que dans tous ces témoignages, ce qui paraît être quand même quelque chose d'assez étonnant, mais dans tous ces témoignages, les gens souvent rapportent avoir comme une sorte de second corps qui s'est déplacé. Nicolas a la sensation de se déplacer, même s'il ne le sent pas, ce corps, mais certains le voient. Et nous, on pense que la conscience, effectivement, la conscience est une donnée universelle, mais elle a besoin d'un support, et que ce support peut se déplacer. Et peut-être que c'est quelque chose qu'on peut mettre en évidence. Alors, on a essayé de le faire, par exemple, avec la balance, en pesant Nicolas. On avait un début de résultats positifs, mais qui mériterait vraiment d'être refait. On a vu une différence de poids quand Nicolas faisait une sortie hors du corps. On pourrait envisager des mesures électromagnétiques ou par infrarouge. Enfin, il y a plein de choses après auxquelles on pourrait penser si cette première étape est validée. Il y a des données qui existent où on met des gens qui font des sorties de corps dans des scanners ou ne serait-ce que des électroencéphalogrammes, et on arrive à voir qu'il se passe des choses particulières dans le cerveau. Alors, ce n'est pas une démonstration, mais c'est des données qui sont corrélées, quoi. Ça, on a commencé à le faire. On avait commencé, donc on a dû aussi mettre ça un peu en suspens, mais une étude avec l'Université de Genève, la faculté de psychologie, où effectivement, on a pu mesurer que en sortie hors du corps, Nicolas avait un pattern cérébral qui était complètement différent et qui ne correspondait pas à celui de qu'il pouvait avoir quand il imaginait qu'il était en sortie hors du corps. Mais on n'explique rien en même temps. Oui, on a le même motif, en fait, quand il imagine que quand il y est vraiment, c'est ça? Pas forcément. Non, pas forcément. Dans ce cas-là, pas. Non, on n'avait pas justement le même... Ah, c'est pas le même motif, donc c'est quand même un élément d'information, quoi. Mais qui était assez intéressant. Pareil, c'est quelque chose qu'on aurait dû pouvoir investiguer plus profondément, mais on ne pourra pas aller très loin. Je veux dire, tant qu'on investigue au niveau du cerveau, on va buter au bout d'un moment. Tout ce qu'on peut dire, effectivement, le cerveau fonctionne différemment. Mais on n'en sait pas plus sur la conscience. Et ça ne permet pas de prouver que la conscience se délocalise, effectivement. D'accord. Mais il faut qu'il y ait une pluralité d'axes de recherche sur le même test.
Voilà, donc vous continuez effectivement à creuser. Alors, vous continuez à creuser ce phénomène-là, mais il y a aussi un autre phénomène dont je voudrais qu'on parle, c'est cette fameuse expérience de clairvoyance, au cours de laquelle, en fait, Nicolas, non seulement il a explosé les scores habituels avec ce genre d'expérience, hein, où il faut deviner, pareil, quelle image est cachée dans une enveloppe, et ensuite on vous montre quatre images, c'est ça, et vous devez choisir laquelle c'était. D'habitude, on a un score un petit peu au-dessus du hasard, en fait. On a des scores de 30-35%, alors que le hasard donnerait 25, c'est ça, ouais. Et donc, là, vous êtes allé à près de 80%, et c'est surtout la façon dont ça s'est passé qui est complètement fascinante. Donc, c'est un autre phénomène dont on parle, mais qui est raconté dans le livre aussi, hein. Et voilà, et là, pour le coup, vous n'en avez pas beaucoup parlé dans les médias, ça, parce que c'est quelque chose qui était encore peut-être un petit peu plus difficile à accepter. Pour les journalistes. Je voulais peut-être juste répondre à la question que vous avez posée, ouais. Juste avant, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas publié? Oui. Simplement parce que moi, je viens du domaine académique, je sais à quel point c'est important de publier dans une revue scientifique, et ça aurait été effectivement important de le faire en premier et ensuite de publier un livre. Mais comme je l'ai dit, actuellement, publier est quelque chose de très difficile, même quand on est dans un domaine de recherche classique. Nous, on est complètement outsider, on n'est pas rattaché à un organisme officiel. On travaille sur un sujet qui reste sulfureux pour beaucoup de scientifiques. Et en plus, nos résultats nous laissent envisager un modèle qui est complètement à l'opposé du modèle en place. Donc on sait très bien qu'on n'allait pas être accueillis les bras ouverts. Et moi, je n'ai pas voulu prendre le risque. De toute façon, je savais que c'était perdu d'avance. Donc, on a pris un chemin différent, mais il aurait fallu publier en premier. Alors, l'expérience de clairvoyance, elle a été publiée quand même dans le bulletin de la Fondation Audier de psychophysique, hein, donc, et en anglais et en français. Donc, les chercheurs pouvaient en prendre connaissance. Alors, qui veut vous raconter cette expérience? Peut-être d'abord Sylvie, puis après Nicolas sur le vécu. D'abord, je voulais parler de comment on a mis en place la façon dont ils pouvaient procéder. Parce que moi, j'avais observé certaines de ses capacités, donc j'avais trouvé 3-4 hypothèses possibles. On a essayé la première. J'avais observé que quand à un certain moment, il faisait des soins énergétiques à des personnes, et à ce moment-là, il avait des informations qui lui arrivaient. Et donc, j'avais pensé que ça pouvait être intéressant de reproduire le même schéma de fonctionnement. Au lieu de mettre une personne, on mettait une enveloppe à la place, et apparemment, ça avait fonctionné d'une façon très positive. C'était même amusant parce qu'on a carrément mis la table de massage comme si Nicolas faisait un soin. Et on a fait un test la veille du moment où on a commencé les tests officiels et il était positif. Alors, ce n'était pas beaucoup, mais on a senti tous les trois que c'était effectivement la bonne technique. Et c'était un peu frustrant parce que j'aurais voulu aussi qu'on puisse essayer une ou deux autres possibilités, mais bon, on n'a pas pu mettre ça en place. Mais celle-ci, effectivement, a été très, très probante. Donc, ce qui s'est passé, que quand on a commencé donc les tests officiels, on avait prévu de faire 100 tests sur 5 journées. Nicolas ne voulait pas connaître le résultat des tests avant la fin. Donc il fallait deviner quelles images étaient dans les enveloppes cachetées. Là, on avait des séries de 4 images. Donc on avait 400 images cette fois, 100 séries de 4. Nicolas, tout avait été fait sous contrôle l'huissier, donc toute la procédure pour préparer les images, les enveloppes, c'est l'huissier qui tirait au sort les enveloppes, qui les scellait. Et ensuite, on avait cette image qui était posée sur la table de massage et Nicolas mettait simplement ses mains au-dessus et laissait venir les informations. Et on a commencé comme ça. Et puis là, tout de suite, bon, au début, il avait simplement effectivement des images visuelles qui lui venaient, qui lui permettaient de faire son choix. Ça prenait à peu près un quart d'heure au début. Et puis, ça avait l'air de fonctionner assez bien, mais sans plus. Et puis, à partir du 8e test, Nicolas a entendu une voix qui lui a dit « ça ne va pas assez vite ». Alors là, il était un petit peu blanc, parce que même s'il vit énormément de choses, c'est vrai qu'il n'était pas du tout familier de ce genre de phénomène auditif. C'était une première. Alors, pas forcément une voix. À l'époque, la première, c'était une seule voix. C'était une seule voix. Ouais, la première. Parce que depuis que je travaillais avec Claude, Charles et Sylvie, bon, il y avait des aspects télépathiques qui s'étaient développés, donc j'arrivais à capter certaines choses, mais je connaissais toujours la provenance des sons ou des émotions que je ressentais. Et là, pour la première fois, ça venait de nulle part. Et je faisais pas le malin devant ma petite enveloppe. Quand j'ai entendu ça, j'étais un peu blanc comme la feuille. Ouais. Donc on lui dit, on va continuer, on va voir ce qui se passe. Et à partir de là, il a reçu des informations, mais sous forme auditive. Alors au début, c'était simplement des musiques qu'il entendait,
par exemple, et qui chaque fois correspondait parfaitement à une image de la série. Mais on ne savait pas si c'était juste. Hein. Donc au début, par exemple, il a eu la chanson de Ferrat, La Montagne, et puis il y avait la chaîne de l'Himalaya. Ou alors, on a eu la chanson de Trenet, le soleil à rendez-vous avec la lune, et il y avait une photo d'éclipse solaire. Donc on se disait, c'est quand même assez curieux. Et puis, ça a évolué, et il s'est mis à entendre des petits textes, un petit peu comme des énigmes. Donc à partir de là, on lui a dit, il faut tout noter. Avant de lui donner les quatre images pour faire son choix, on lui disait, il faut noter ce que tu entends, pour être sûr de qu'il ne soit pas influencé par les images. Alors on a eu des textes, par exemple, on a eu « Pas des bois, mais très drôle ». Et dans les quatre images, il y avait la photo de Muriel Robin. Ou ensuite, on a eu « Ouvrons-lui le ventre et sortons-en le trésor ». C'était un petit peu glauque. Un peu et en fait, c'était, dans les images, il y avait un accouchement par césarienne. Donc là, on s'est dit, il se passe vraiment quelque chose d'étonnant. Et puis, ça continue à évoluer et il s'est mis à recevoir des textes un peu plus longs, très poétiques, avec des rimes, parfois des quatrains parfaits, des choses que Nicolas aurait été... Je m'excuse, oui, mais incapable. Nicolas, qui n'était pas poète à l'époque. Non, j'étais comptable à l'époque, j'étais pas poète. Et surtout, c'était à la vitesse à laquelle il écrivait. C'était, Mais c'était tout l'enjeu, c'est que moi, j'entendais ça. Alors, je suis pas non plus dactylo, et il fallait que je prenne le plus rapidement possible. Alors, parfois, il y avait des mots qui sautaient, et alors j'essayais de me rappeler ce que j'avais pu entendre. Mais non, c'était particulier. Et là, c'est devenu comme un concert de voix. Hein, tu peux décrire peut-être. C'est ça. Dès qu'on a passé le moment des simples petites phrasounettes, des petites énigmes, ça c'est devenu une espèce de concert de voix avec des voix très graves, des voix très aiguës, exactement comme si j'avais tout un ensemble de voix devant moi qui me parlaient et me dictaient ces textes-là. Et c'était extérieur. Et c'était extérieur, voilà. C'est ça. C'était vraiment comme j'entends mon son là actuellement. Mm-hmm. C'était pas une voix dans ma tête comme parfois on s'entend réfléchir ou quoi que ce soit. C'était vraiment une voix externe. Et c'est ça qui était flippant pour moi parce que le phénomène a évolué au cours de l'expérience en fait. Ouais. Exact. C'était vraiment crescendo, puis à la fin c'était assez moralisateur, alors ça lui plaisait pas non plus tellement. Non, il y avait beaucoup de messages un peu sur plutôt d'ordre écologique, la nature, la paix, tout ça, ouais. Les animaux, comment l'homme traitait la nature et les animaux. Et puis, donc au bout du compte, Nicolas a obtenu 79% de bonnes réponses, ce qui est absolument énorme. Ça fait une chance sur 69 milliards, de milliards, de milliards, que ce soit dû au hasard. En plus, il y a certaines réponses qu'il aurait pu trouver parce qu'il ne connaissait pas en fait la musique, etc. Donc, nous, on aurait mieux fait, on aurait fait 85%. C'est absolument hallucinant. Ce qui est hallucinant aussi, c'est que dans les milieux justement de la recherche en parapsychologie, tout ça, on vous a complètement snobé. On n'a pas considéré cette expérience comme étant probante. Enfin, peut-être à non, quelques si, par exemple, Dean Radin nous a contacté. Oui, quand même. Il y a quand même Dean Radin, un chercheur américain qui s'est intéressé quand même à ça. Non, il s'est beaucoup intéressé. Et puis, ce qui était vraiment étonnant, c'est. Nous, on avait la sensation vraiment qu'il se passait quelque chose. Je pense que c'est l'expérience, on peut le dire, Claude-Charles, qui nous a le plus impressionnés tant que chercheurs, parce qu'il se passait vraiment quelque chose d'étonnant. Et on avait l'impression que les voix tenaient... Enfin, les voix, entre guillemets, tenaient compte de nos remarques. Par exemple, à un moment, moi, j'ai dit... Parce qu'en fait, au bas de chaque image, il y avait trois mots qui décrivaient les images. Et moi, j'ai dit, mais pourquoi envoyer tous ces textes? Pourquoi ne pas envoyer simplement les trois mots? Et au test d'après, on avait les trois mots. Donc c'était vraiment troublant. Ou à un moment aussi, on devait aller trop plus vite parce que c'était la fin, tu veux le dire? On arrivait, par manque de temps, on arrivait vers la fin. Il fallait être plus bref que recevoir des messages trop longs. Donc on a exprimé ça à haute voix. Et les trois dernières réponses sont arrivées. Juste le mot exact qui était écrit en bas de chaque... Il y avait une interaction en fait avec le phénomène. Quoi. On avait une sensation. On était tous présents au phénomène en fait. Nicolas servait d'intermédiaire, on pourrait dire, mais on pouvait tous interpréter ce qui, à travers le message qu'il nous donnait, on pouvait tous interpréter en regardant les photos. Autant de personnes il y a dans cette salle, ils auraient pu dire oui, c'est cette photo-là qui correspond au message reçu. Alors il y a aussi un aspect symbolique. C'était la dernière expérience en fait de Monsieur Audier.
Oui, alors c'est ça qui est amusant, c'est que si en fait, nous, on n'avait pas tellement envie de la faire. C'est que nous, on l'a fait vraiment pour faire plaisir à Marcel Audier. Qui était donc le mécène, en fait, qui vous a financé. Qui nous a soutenus pendant 10 ans et qui a dit, avant de me retirer de la fondation, j'aimerais faire cette dernière expérience. Et c'est vraiment lui qui a poussé. Parce que nous, quand on voyait qu'on obtenait 30% de réussite, on s'est dit, on ne va pas révolutionner le monde de la recherche avec ça. Mais il nous a poussé vraiment à la faire. Et effectivement, ça a été l'expérience la plus incroyable auquel on a été... confronté. Alors Nicolas, ce phénomène des voix, est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de votre arsenal aujourd'hui? Est-ce que vous êtes un canal, un médium? Canal, médium. Dans le terme technique, on va dire que oui. Après, dans le terme spirituel, on va dire qu'on va garder le terme technique. Mais oui, effectivement, c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien. Je l'utilise, entre guillemets, ou plutôt ça s'impose à moi dans certaines circonstances, quand j'ai des choix à faire ou quand j'ai des interrogations sur... Donc j'étais comptable, maintenant je suis infirmier. Lorsque j'ai des questions particulières sur un patient, sur pourquoi est-ce qu'il a tel ou tel trouble, ou pourquoi est-ce que tel médicament n'agit pas de la façon dont on aurait voulu... des réponses s'offrent à moi sous la forme de ces voix-ci. Et généralement, ça m'aide à prendre des décisions ou à aller dans un sens qui sera bon et pour moi et pour le patient. D'accord, ça c'est intéressant. Il y a l'aspect pratique, soin intuitif, quoi. C'est ça. Vous avez eu l'occasion de dire que cette collaboration, elle vous a changé, elle vous a fait évoluer aussi au plan de la spiritualité. Et en même temps, le mot spirituel, c'est quelque chose dont vous vous méfiez un peu. Comment est-ce que vous vous situez aujourd'hui par rapport à ça? Alors, effectivement, moi, je suis... lorsque j'ai rencontré Sylvie et Claude Charles, j'étais plus que cartésien, plus que terre à terre. Et voilà, je vivais mes sorties hors du corps depuis que j'étais enfant, mais... Ça existait, c'était sûr, mais tout le reste, tout ce que les autres pouvaient vivre, c'était pas vrai, c'était des foutaises. Et si mon moi actuel rencontrait mon moi d'il y a 10 ans, mon moi d'il y a 10 ans ne me parlerait même pas, en fait, parce qu'il se dirait, mais il est complètement fou, c'est n'importe quoi, qu'est-ce qu'il vit? Après, sur le côté spirituel, c'est vrai qu'on va dire que c'est plus de 10 années d'exploration ensemble m'ont permis de me rendre compte de la richesse de la vie, la vie avec un grand V, c'est-à-dire de cet univers dans lequel on vit et qui nous compose aussi. Le terme spiritualité, j'ai toujours eu du mal avec, j'ai toujours encore un peu de mal avec, dans le sens où il est utilisé parfois, souvent, trop souvent, pour encadrer les foules ou pour essayer de diriger les foules et non pas pour essayer d'ouvrir le monde et d'ouvrir les cœurs. Donc c'est pour ça que ce terme-là, je l'utilise pas trop. J'aimerais bien trouver autre chose, mais je cherche, mais je trouve pas. Il faut demander aux voix. Trouver un autre mot. Claude Charles, peu beau de conclusion aussi, parce qu'on va essayer d'arrêter un petit peu. Oui, c'était intéressant cette question par rapport à la spiritualité, parce que je pense qu'il faut vraiment dédramatiser ce terme de spiritualité qui est déjà pas mal teinté de mental. Et d'arrêter de voir ça d'une façon trop sérieuse. Le voir sérieusement, quelque part, c'est se prendre au sérieux, alors que c'est vraiment dans la simplicité vraie qu'on est en contact avec le spirituel. C'est vrai, et c'est là où la conscience intervient, c'est parce que c'est dans le moindre du quotidien vécu en conscience qu'on est vraiment connecté au spirituel. Et je crois que c'est important de revoir ça, justement, sur une façon beaucoup plus simple et accessible à chacun à ce moment-là. C'est pas la quête du Graal, c'est retrouver en soi ce qui est intrinsèque à la personne humaine. Et vivre ça dans la joie, comme disait Philippe en citant Spinoza. Normalement, c'est Frédéric Lenoir qui parle de la joie et de Spinoza, mais c'est bien que Philippe le fasse aussi. Dans la bouche d'un physicien, ça change un peu. Sylvie, peut-être conclusion générale, est-ce que cette étude aussi de la conscience, est-ce qu'elle mène nécessairement à la spiritualité aussi, selon vous?
pour moi, c'est indissociable, mais c'est personnel. Je pense qu'on peut très bien étudier ce sujet sans se poser des questions d'ordre spirituel. Pour moi, c'est indéniable que dès qu'on commence à se poser la question de la conscience, on se pose aussi la question du sens de l'existence. Et je pense que c'est aussi dans ce sens-là qu'est très importante ce changement de paradigme auquel on assiste et dont a parlé Jean Stone ce matin. On est vraiment dans ce changement de paradigme. Il est déjà initié, mais il va prendre peut-être encore des décennies, peut-être 100 ans. On sait que c'est long. Mais parce que je pense qu'il va réintroduire cette notion de sens. Le paradigme matérialiste, il est déprimant au possible parce que justement l'existence n'a absolument pas de sens. Et là, en revenant à cette conscience qui peut-être va survivre à la mort du corps physique, une conscience qui est peut-être là au tout début, on réintroduit cette notion de sens dans l'existence. Et pour moi, c'est indissociable de la question de la spiritualité. Pour revenir au simple, il y a une petite histoire zen qui est très mignonne là-dessus. C'est le maître zen, entouré de ses disciples, va donner la leçon. Et à ce moment-là, par la fenêtre ouverte, il y a un petit oiseau qui vient se poser sur le rebord et qui se met à chanter, puis il s'envole. Et à ce moment-là, le maître zen se lève et dit « La leçon d'aujourd'hui est terminée. » Alors, la nôtre est presque terminée, ce n'était pas une leçon, mais je voudrais que Nicolas conclue. Alors, est-ce que vous, d'abord, à titre personnel, vous êtes convaincu que la conscience se poursuit après la mort ? Voilà une question directe. Alors, oui, enfin, la conscience, pour moi, existe au-delà du corps, et je pense même que... C'est mon idée que le corps est une émanation de cette conscience, une espèce de cristallisation peut-être, une forme plus dense. Non pas en tant que réceptacle enfermant, comme une boîte, mais plutôt, je trouvais l'idée du téléviseur plutôt sympathique. Je ne sais plus lequel, quand c'était peut-être Jean Stone. Qui faisait l'allusion du téléviseur. Voilà, moi, à mon avis, le corps est une projection de la conscience qui, elle-même, se projette à l'intérieur, ou à travers, plus exactement. D'accord. Est-ce que vous voulez ajouter un mot en termes de vos espoirs pour l'avenir, ou est-ce qu'on a dit déjà les choses importantes, selon vous ? L'espoir pour l'avenir, c'est simplement que chacun trouve en soi les vraies réponses plutôt que de suivre celles qui sont proposées par les autres. Oui, je pense que tout à fait certaines personnes vont pouvoir faire une de la recherche sur la conscience une énigme à résoudre, mais je pense que pour tout un chacun, c'est plutôt un mystère à vivre. Belle formule. Oui, vous m'aviez dit hier... C'était, vous n'êtes pas un chercheur, vous explorez. Oui, c'est ça. Moi, je me considère pas du tout comme un chercheur parce que le chercheur a une idée de là où il veut aller, ou plus ou moins. Il va mettre des mots sur ce qu'il va trouver en chemin. Et puis, au bout du compte, il va peut-être arriver là où il voulait arriver. Alors que moi, c'est vrai que je me considère plus comme un explorateur. J'ai toujours cette âme d'enfant qui regarde. Je ne veux pas nommer les choses, c'est pour ça que lorsqu'on me demande mais c'est quoi ces voix, je ne veux pas, enfin, je veux pas nommer, je ne veux pas dire que c'est des guides, que c'est des anges, que c'est ma grand-mère, que c'est je ne sais quoi. Voilà, c'est. Et c'est en gardant toujours cette simplicité et ce regard neutre que j'ai avancé dans ma vie et que j'ai avancé dans cette exploration. J'ai pas envie de m'enfermer avec des mots parce que dès qu'on pose un mot sur quelque chose, on s'empêche d'avoir d'autres possibilités. Peut-être juste dire que je crois que c'est important ce que dit Nicolas, et c'est pour ça qu'on s'est aussi bien entendu, c'est qu'il a cette âme d'explorateur, et je crois que nous, on se positionne aussi dans cet esprit-là, c'est qu'on n'a aucune certitude, et plus on avance, moins on en a, plus on se rend compte qu'on est vraiment au balbutiement de cette recherche sur la conscience et les états modifiés de conscience, et plus on évite de se figer sur une interprétation en particulier. Et c'est vrai que changer de paradigme, c'est bien, mais il ne faut pas non plus s'enfermer dans un nouveau paradigme. Et je pense qu'il faut rester le plus ouvert possible et avec cette âme d'explorateur.
Oui, et pour ma part, je voudrais dire qu'on a besoin d'avoir un débat serein et apaisé sur ces sujets-là, parce que c'est vrai que c'est normal d'avoir des critiques, parce que la critique fait partie du débat, mais en revanche, des attaques, comme vous avez pu en subir, comme d'autres ont pu en subir ici, parmi les chercheurs qui participent à notre journée, c'est absolument intolérable. Je veux dire, l'hypothèse de l'indépendance de la conscience, elle est recevable, elle est rationnellement. L'hypothèse de la survie de la conscience, elle est recevable aussi sur la base de ce que vous dites. L'hypothèse de contact médiumnique qui surviendrait sur la base de séances d'hypnose ou de méditation guidée, comme Jean-Jacques Charbonnier va nous en parler cet après-midi, c'est une hypothèse de travail qui est complètement recevable. Alors bien sûr, c'est aux chercheurs d'apporter, c'est à lui que revient la charge de la preuve, quelque part, pour confirmer les nouvelles données, les nouveaux modèles, les nouvelles interprétations. Et voilà, on a le droit de débattre des données, des méthodologies, des modèles, mais on débat sur les idées, on ne débat pas sur les personnes. Oui, puis il faut savoir qu'en science, il n'y a pas de preuves irréfutables. C'est pour ça que les théories se succèdent, les paradigmes se succèdent, c'est qu'on ne peut jamais avoir une preuve. Donc on parle toujours, on a des évidences. Et actuellement, on a deux modèles qui s'opposent. On a un nouveau modèle qui est donc ce modèle d'une plus panpsychique de la conscience qui prend de plus en plus d'importance, mais on est incapable de trancher, je dirais, avec des preuves en faveur d'un ou l'autre des modèles. Mais c'est vrai que l'ensemble de toutes les observations, que ce soit la recherche sur les NDE, sur la médiumité, toutes les observations sur la conscience, c'est vrai, maintenant, vont plus dans ce sens de ce nouveau modèle, et il y a de plus en plus de chercheurs vraiment mainstream qui commencent à adhérer. C'est ça qui est assez intéressant. Très bien, merci beaucoup à tous les trois. Merci. Merci à vous. Merci.